don't get this Yo, salut les gars, c'est Globox. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, voilà, je vais vous parler d'un sujet très important, comme vous avez pu remarquer dans le titre, j'ai rejoint la Dream. Mais avant ça, je vous présente, entre guillemets, les gameplays, parce que je sais pas tout à fait ce que je vais vous mettre, mais ce sera certainement du Call of Duty Black Ops 3, soit des petits retours, voilà, je rentre dans une game de match à mort par équipe, et je vois que le score n'est pas assez ouf, mais je vais faire un truc de dingue, je vais faire un epic comeback, ça veut dire un epic retour. Enfin bref, vous avez des yeux, vous verrez bien, c'est des jolis gameplay, mais c'est pas des nucléaires aujourd'hui. Voilà, enfin bref, les amis, aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, j'ai rejoint la Dream. Alors, qu'est-ce que c'est la Dream? C'est tout simplement la team de Raiden. Ce n'est pas le leader, mais comme il a dit, c'est nous tous le leader. Et ça me plaît déjà, l'esprit d'équipe, ça me plaît beaucoup. Petite présentation de la team, ce n'est pas une team perf. Ce n'est pas une team qui est présente sur YouTube, c'est juste une team de potes. Et ça me plaît énormément parce que moi, les chaînes YouTube, etc., je trouve que ça met un petit côté négatif. Voilà, t'as certainement certaines personnes quand t'es sur YouTube qui s'y croient un peu trop dans YouTube, qui se disent, les gars, aujourd'hui, il faut sortir une vidéo, on est une team, faut être présent. Non, voilà, j'en ai un peu marre, j'en ai connu des teams comme ça, et honnêtement, ça s'est toujours déroulé... un côté dramatique, je pense souvent à la rage. Enfin voilà, aussi la Reborn, voilà, qui est une très bonne team, mais aujourd'hui malheureusement il n'y a plus de vidéos. D'ailleurs je suis toujours dans la Reborn les gars, Raiden aussi, Xenon aussi, Croque Madame, Romain, Tizet, Grony aussi, on est toujours dans la Reborn les gars. C'est voilà, on a arrêté la chaîne, on est toujours une team de potes, mais si on veut une team secondaire, par exemple moi j'ai la Dream comme Raiden quoi, Raiden c'est plus sa team principale. Donc voilà, moi la Reborn ce sera toujours ma team, tout simplement parce que toutes les personnes qui sont présentes, toutes les personnes que je vous ai citées, m'ont toujours aidé sur YouTube ou même dans ma vie privée, comme je les ai aidés sur YouTube ou dans leur vie privée. On est une vraie team de potes, tout simplement, on est des potes. Voilà, enfin bref, j'espère que vous avez compris. Donc pourquoi la Dream et pourquoi pas une autre team? Déjà, tout simplement parce que la Dream c'est une team qui m'intéresse parce que de 1, Raiden. Voilà, c'est une personne que je me suis toujours entendu. Voilà, j'espère que je parle bien français. Je me suis toujours bien entendu avec Raiden. Et il a toujours été là pour moi et j'ai toujours été là pour lui. En tout cas, j'espère que j'ai toujours été là pour lui. C'est une personne qui se prend pas la tête sur YouTube et dans le gaming. Une personne qui est très forte. Une personne qui n'a pas de connexion. Comme moi, voilà, pas de connexion comme moi. Qu'est-ce que je pourrais dire sur Raiden? Enfin bref, c'est un dinosaure, c'est un Pokémon légendaire. Mais pas que, parce que voilà, il n'y a pas qu'une personne qui m'a fait envie de rentrer dans cette team-là. Il y a pas mal de personnes que je connais dans la Dream. Damien, etc. Voilà, je sais pas si c'était de nom, parce que je vais en oublier, je vais me faire insulter. Coucou. Enfin bref, pas mal de personnes aussi que je ne connais pas et que je vais connaître. Hein, des personnes que je viens tout juste de faire connaissance, qui, ma foi, sont sympathiques. Je pense à Jordan, à Nairo, etc. Et je cite encore des noms. Voilà, il faudrait que j'arrête de citer des noms. Enfin voilà, pas mal de personnes qui sont vraiment sympathiques, et c'est ce que je recherche sur YouTube. Des personnes qui se prennent pas la tête. Et voilà, ça fait plaisir. Je fais une grosse dédicace à toute la team. Est-ce que j'ai autre chose à vous dire? Voilà, petite histoire entre Raiden et moi. Je l'ai connu sur Call of Duty Ghost quand je faisais le recrutement challenge avec la Reborn. À ce moment-là, on était sur Call of Duty Ghost. Voilà, on faisait un recrutement challenge. Et le seul fou dans sa tête, c'était Raiden. Le mec jouait uniquement en solo. C'était d'ailleurs un des seuls à jouer en solo à ce moment-là. Tout le monde était en groupe, en blocage de spawn, même si le jeu venait de sortir. Voilà, vous connaissez la communauté FR à ce moment-là, c'était vraiment une belle brochette de salopes à ce moment-là. Les mecs inventaient des records, tir penché, tir rebondi, enfin, des trucs de fou. Et d'ailleurs, il y a encore des personnes qui font encore des records inventés, enfin, voilà, ça c'est la commu, c'est vraiment n'importe quoi. D'ailleurs, faudrait peut-être faire une vidéo un jour pour présenter les vrais records. Parce qu'il y a des gens qui inventent des records, ils sont un peu fous dans leur tête. Enfin, c'est plus mon délire, hein, tout ce qui est record, etc. Mais il y a des mecs qui sont un peu fous dans leur tête. Enfin bref, je m'écarte du sujet. Voilà, j'ai connu Raiden sur Call of Duty Ghost. Mais on a vraiment
jouer ensemble sur Black Ops 2. C'est comme ça qu'on a commencé à jouer ensemble. On est parti sur Xbox One plus ou moins ensemble pour jouer à Destiny. On a joué à Advanced Warfare. Je sais, je le prononce mal. Fuck les rageux. je dis vraiment de la merde. Mais voilà les gars, c'est un commentaire random parce que je devais vous faire cette vidéo, ça fait déjà un petit moment que je devais la faire. On me demande souvent dans les commentaires, t'as rejoint la Dream, t'as rejoint celle-ci. Voilà, j'ai rejoint la Dream. Je ne vais pas la quitter tout simplement parce que c'est une team que j'apprécie. Il n'y a pas d'autres teams qui sont au-dessus ou en bas. C'est une team que j'apprécie. Voilà, c'est tout les gars, putain, me cassez pas les couilles, je fais une vidéo, à votre avis, c'est pourquoi? C'est pour la thune. D'ailleurs, je suis pas encore partenariat parce qu'on m'a demandé en partenaire, enfin... Enfin voilà, vous m'avez compris les gars, franchement, fin de journée, moi j'ai travaillé toute la journée, me cassez pas les couilles, les chômeurs. Non, allez les gars, je vous dis, à ciao, hein. Ciao bello, c'était Globox, bye bye tout le monde.